Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louise. Mais elle est passée où? Louise! Louise! Mais c'est bon, j'ai le temps! Aujourd'hui, nous allons parler de comment réagir en cas de préjugés racistes, sexistes ou autres. Mais du coup, c'est quoi exactement un préjugé? C'est un jugement exprimé pour abaisser les gens qui sont différents ou qui ne conviennent pas aux critères qu'on a imaginés. C'est comme si je disais qu'avoir une apparence différente des autres est un défaut. Et pour le racisme? C'est une façon de penser qui dit que certains humains sont supérieurs aux autres en fonction de leur couleur de peau. Tout ça, c'est très bête, car on peut rejeter des gens qui sont peut-être super sympas, juste pour l'apparence. Et on risque de se priver d'une amitié qui nous apporterait plein de bons moments. Avoue que c'est très débile d'avoir des préjugés. Oui, c'est clair qu'avoir une différence physique n'a en fait aucune importance. Si les gens se comportent bien, c'est ça qui compte. Et pourtant, certains continuent à juger les autres, à les rejeter pour la couleur de peau, l'origine, la religion, le poids, etc. C'est vrai, mais ces mauvais jugements peuvent être punis par la loi. Du coup, on porte plainte dès que quelqu'un nous insulte? Non, on ne va pas porter plainte au moindre préjugé exprimé par quelqu'un. Mais si ça se répète et devient insistant, alors on peut porter plainte. Oui, mais si on porte pas plainte, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on est déprimé face à une remarque ou une insulte, on peut aussi en parler à quelqu'un de confiance. Un ami ou un adulte proche. Et si on ne connaît personne à qui parler? On peut aussi appeler une association d'écoute qui nous aidera et nous donnera des conseils. Par exemple, on peut appeler le 3928, qui est une organisation de signalement et d'accompagnement créée par le gouvernement. Voilà, c'était Laura. Et moi, tu m'as oublié? Ah oui, c'est vrai. Et Louise? Pour plus d'informations, vous pouvez voir la vidéo Un jour une question, qu'est-ce que c'est le racisme? Et surtout, n'oubliez pas les pouces bleus et les commentaires. Et à vous abonner. À bientôt. Bye, bye.